Dans cette vidéo, Rose a décidé d'utiliser une combinaison de mifépristone et de misoprostol pour mettre fin à sa grossesse. Bien que ce soit un peu plus cher, elle a décidé d'agir ainsi car l'efficacité est supérieure et elle peut les acheter dans un dépôt de médicaments local. C'est le choix le plus efficace pour une interruption volontaire de grossesse ou IVG avec des pilules. Et les deux médicaments peuvent être vendus ensemble ou séparément. N'oubliez pas qu'une IVG à domicile est possible seulement si vous pensez être enceinte de moins de 12 semaines. Pour cette méthode, vous avez besoin d'une pilule de mifépristone, 200 microgrammes à l'écran, et 4 pilules de misoprostol, 800 microgrammes à l'écran. Pour démarrer, avalez une pilule de 200 microgrammes de mifépristone avec de l'eau. Attendez au moins 24 heures, mais pas plus de 48 heures pour passer à l'étape suivante. Vous pouvez vaquer à vos tâches quotidiennes pendant ce temps. Comme nous le montre Rose, avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous de vous trouver dans un endroit confortable où vous pouvez vous allonger. Veillez à avoir des serviettes hygiéniques et de préférence quelqu'un qui pourrait vous assister, comme une amie, un partenaire ou un parent. Vous pourrez manger légèrement et boire. C'est aussi une bonne idée d'être proche des toilettes et de pouvoir contacter un établissement sanitaire ou un service d'assistance téléphonique en cas de complications. Les complications sont très improbables, mais si vous rencontrez un problème, souvenez-vous que vous pouvez déclarer que vous faites une fausse couche. Le médecin ne saura pas que vous avez pris des pilules. Vérifiez sur l'emballage de misoprostol que chaque pilule contient 200 microgrammes. Si oui, la meilleure option est d'en introduire 4 dans votre vagin, en les poussant avec votre doigt aussi loin que vous le pouvez et de les laisser à l'intérieur. C'est la méthode la plus facile, avec le moins possible d'effets secondaires. Cependant, les pilules peuvent demeurer dans le vagin pendant 2 à 3 jours. Si un prestataire de santé vous examine pendant cette période, en cas de complication, les pilules ou leurs restes seront visibles pendant l'examen vaginal et la personne saura que vous en avez utilisé, ce qui pourrait vous apporter des ennuis si l'avortement est limité dans votre pays. Si cela vous inquiète, placez plutôt les 4 pilules sous votre langue et laissez-les se dissoudre peu à peu. Ne mangez et ne buvez rien. N'avalez pas les pilules pendant 30 minutes. Après 30 minutes, vous pouvez boire de l'eau à petite gorgée et avaler le reste des pilules. Si vous vomissez avant 30 minutes, vous devez placer d'autres pilules sous votre langue. Mais si vous vomissez après cela, ne vous inquiétez pas, car les pilules ont été absorbées. Cela ne vous concerne pas si vous les avez introduites dans votre vagin. Les saignements et les crampes devraient débuter dans les 3 à 4 heures après la prise des 4 premières pilules. Ne vous inquiétez pas, cela signifie que les pilules fonctionnent. Si vous êtes enceinte de moins de 10 semaines, comme Rose, et si les saignements et les crampes ont commencé après une dose de 4 pilules, vous n'avez pas besoin d'en prendre d'autres. Cependant, si vous êtes enceinte de 10 à 12 semaines, ou si les saignements n'ont pas commencé, vous devez prendre une autre dose de 4 pilules de misoprostol. Vous pouvez répéter toutes les 3 heures jusqu'à 12 pilules en tout. S'il ne se passe rien après 3 doses, vous devez consulter un prestataire de santé, car il pourrait y avoir une raison médicale à cela. Vous aurez des saignements et des crampes. Et bien que le processus puisse être douloureux ou difficile, essayez de ne pas vous inquiéter, cela signifie que les pilules marchent. Les autres effets secondaires habituels sont une fièvre, des frissons, la diarrhée ou des vomissements. Et chaque femme vit une expérience unique. Pour certaines femmes, cela ressemble à des règles normales. Pour d'autres, les saignements sont plus abondants ou les crampes plus douloureuses. Vous verrez des caillots et des bouts de tissu blanchâtre dans le sang. Ne vous alarmez pas. Vous pouvez prendre de l'ibuprofène, 400 à 600 mg, ou du diclofénac sodique, 50 mg, avant de commencer, puis toutes les 8 heures pour gérer la douleur. L'ensemble du processus devrait prendre 1 à 2 jours, et varie d'une femme à une autre. Accordez-vous un temps suffisant pour gérer le processus en toute sécurité et confidentialité si vous le désirez. De nombreuses femmes rapportent des écoulements vaginaux lorsque le saignement décroît. De légers écoulements vaginaux sont courants lorsque le saignement ralentit.
Ils peuvent être jaunes ou marrons avec une odeur aigre. Un saignement très léger peut aussi persister pendant une à deux semaines, voire plus longtemps lorsque c'est fini. Cela ne devrait pas interrompre vos activités quotidiennes. Beaucoup d'informations viennent d'être données, mais souvenez-vous que l'expérience de chaque femme sera différente. Regardez donc notre vidéo suivante qui souligne ce qu'il faut savoir et faire si quelque chose semble aller mal.